Le point de départ de mon intervention, c'est une sorte d'interrogation sur finalement des termes, jeu et dispositif. J'ai l'impression que dans Takotak, il y a plusieurs jeux et plusieurs dispositifs, et que Frappa parle de joueurs, de jeux, etc. Mais dans le fond, est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'autre chose? Qu'est-ce qu'on désigne exactement par ce terme, etc. Et j'ai essayé de le comprendre dans le contexte, évidemment, de sa création au sein du siècle de la recherche, donc qui est cet organe si particulier qui a vécu pendant 15 ans au sein de la RTF puis de l'ERTF. Donc voilà, puisque je travaille sur ce corpus, voilà, je finis par le comprendre un petit peu. J'ai essayé de vous apporter ça aujourd'hui, de le situer donc sur cet axe-là de travail. Donc tout d'abord, ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé en tout cas, c'est que c'est un programme qui se cherche, c'est-à-dire qui cherche son nom, qui cherche son dispositif, d'ailleurs, il y a une émission hein, qui n'est pas diffusée à l'antenne, qui s'appelle Œil pour Œil, qui se présente, qui a été montée quand même, qui a véritablement donné lieu à une construction complète, qui s'appelle donc Œil pour Œil, et qui est ici présentée comme ébauche d'un jeu, hein, dans une archive. Donc, et alors avec une sorte de tension d'ailleurs intéressante, ébauche d'un jeu par Jean Frappa ou par Gérard Guillaume, d'après une idée de Jean Frappa. Oui, il y a déjà quelque chose qui est en train de se produire du point de vue de la tension du dispositif. Donc ça sera 68. J'en reparlerai tout à l'heure. Voilà. Donc, œil pour œil est constitué d'un dialogue, en fait, en voix off, entre Louis Mesuret, qui est le co-directeur de la division des programmes du service de la recherche, et Jean Frappa. Et finalement, l'objet de leur dialogue, c'est qu'est-ce que ça serait une émission de joute dessinée? Voilà. Et donc, je vous invite évidemment à aller voir cette archive à l'Inatec, puisque Frappa fait appel à Rouxel, dont la notoriété évidemment vient d'éclater avec les Shadocks en avril 68. Donc, c'est une sorte de dessinateur maison, si on veut. Et puis deux autres, alors je ne sais pas, peut-être par relation de Rouxel ou de Frappa, qui sont de Constantin et Maurice Garnier. Qui, sauf erreur, ne reviendront pas dans Takotak. Donc, c'est vraiment les gens qu'on a sous la main, j'ai l'impression. Et les questions se posent notamment par Rouxel, qui est enregistré de façon synchrone. Qu'est-ce que ça veut dire improviser? On se pose la question de savoir où mettre la caméra pour voir le dessin en train de se faire. Et donc là, on a bon, quand même une centralité quand même, qui sera préservée, évidemment, dans tout le dispositif de Takotak, de la planche. Hein. Et puis finalement, une sorte de scénario qui se mettrait en place grâce à cette émission, qui serait la cascade de rebondissements graphiques. Donc c'est ça qu'on va garder, c'est une dramaturgie en fait. Voilà. Mais c'était, je trouve, très intéressant de commencer par cette archive, puisque on va abandonner évidemment le dialogue pour un commentaire qui va avoir une fonction très particulière, je vais en dire un mot. Qu'il y a une dimension pédagogique qui s'inscrit très bien dans les démarches du service de la recherche où on fait de la pédagogie. Pour voir, on expérimente pour voir, qu'est-ce que ça donne, etc. Et donc, évidemment, le voir du dessin va être très, très mis en avant. Et il y a au côté aussi un peu roulette russe, on lance le dé, on se lance. Hein. Et lundi soir, je disais que j'étais très frappé par les mouvements qu'il y a entre la table et la planche, où véritablement le dessinateur se lance depuis la table pour aller répondre au dessinateur précédent. Et aussi l'idée que cette émission peut-être serait des images sans parole. Hein. Il va falloir comprendre sans les mots. Il y aurait une efficacité suffisante du dessin pour exprimer quelque chose. Et ça, évidemment, on en discutera tout à l'heure, mais je pense que ce que nous a montré Sylvain à l'instant, ça l'explique bien. C'est-à-dire qu'il y a déjà une culture, il y a déjà une réflexion, il y a déjà une articulation entre bande dessinée et télévision. Juste un élément technique, où se trouve Frappa? Eh bien, il se trouve dans le secteur 3. C'est-à-dire dans la recherche de programmes, et non pas dans les programmes de recherche, c'est-à-dire qu'il est là pour tester justement de nouvelles émissions. C'est une sorte de second moment du service de la recherche, où on ne va pas faire seulement de la recherche fondamentale sur le son et l'image, mais on va apporter à la télévision elle-même des réflexions sur son fonctionnement, ses formats, les rapports images-son, etc., de façon évidemment ludique et aussi un petit peu expérimentale. Pour continuer l'expérimentation en quelque sorte dans les programmes eux-mêmes.
Voilà la description d'œil pour œil dans le catalogue interne du service de la recherche. Je pense que ça vaut la peine de le lire. Premier brouillon de la série Tac au Tac. Donc, c'est une reconstruction historique dans le catalogue de l'importance de cette émission. Ce petit film est le tournage sur plateau d'un duel graphique entre dessinateurs humoristes. Donc, c'était important par rapport à ce que disait Soulas lundi soir. C'est le dessin d'humour qui est le point de départ. Et pas n'importe quel donc, autre type de dessin, le dessin d'humour, parce qu'il a un truc, il a un gag, il a quelque chose, un déclenchement, qui peut être le point de départ sur lequel s'appuie Tac au Tac. Un premier dessinateur trace sur une feuille de papier un objet à sa guide. Le jeu consiste pour le dessinateur adverse à ajouter ou retrancher à ce dessin initial quelque chose qui le transforme, donc ça je pense que c'est fondamental, en le contrecarrant, transformer en contrecarrant. Après quelques hésitations, le jeu débute vraiment. Et donc, ils ont trouvé quelque chose comme une formule et nous entraînent dans une cascade de rebondissements graphiques. Alors, voilà un petit schéma qui résume un petit peu ma réflexion. Tous ces mots à gauche, ébauche d'un jeu, joute dessinée, rendre trait pour trait, coup pour coup, joute improvisée, opposant, rivaliser d'astuces et de gags graphiques, partie d'humour, œil pour œil, mais pas dent pour dent, duel graphique, ou une ambiance de passe d'armes amicale, d'improvisation permanente, d'humour en escalade, hein, tout ça, ça doit nous rapprocher de ce qu'on cherche à faire. Et ce n'est qu'au moment où cette émission, qui est tournée sous le titre « Œil pour œil », est enfin diffusée, qu'elle va prendre le nom de Tac au Tac et Frappa dit « J'ai enlevé le dû ». Pourquoi a-t-il enlevé le dû? Je pense que j'ai quelques éléments de réponse. En 67, c'est déjà une réflexion très avancée au sein du service de recherche, c'est-à-dire qui permet précisément la recherche de programmes, à savoir une réflexion sur ce jeu entre les trois partenaires de la communication, hein, c'est vraiment un apport de Schaeffer à la réflexion, entre l'auteur, le public, mais le médiateur, c'est-à-dire l'homme de médias, producteur, médiateur, présentateur, etc., comme peut l'être Jean Frappa. Et c'est lui qui, finalement, tient le rôle principal. Et c'est exactement ce que va faire Frappa. Hein. C'est-à-dire que c'est le médiateur qui va nous permettre de changer les conditions de la communication ou simplement de les reproduire. Mais au sein du service de la recherche, on pense bien à se servir de cette fonction-là, peut-être plus importante que les deux autres, finalement, pour changer les règles du jeu, si je peux me permettre ce jeu de mots. Donc, je l'ai déjà cité, les Shadows, évidemment, apparaissent comme une sorte de préliminaire, de plateforme sur laquelle on va pouvoir s'appuyer avec Rouxel. Du côté de Jean Frappa lui-même, donc, quelque chose quand même comme une pratique de la pédagogie par l'image avec la télévision scolaire. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il commence au sein de la télévision scolaire, mais il est recruté comme spécialiste du théâtre, tout de même. Et il met en scène des émissions, par exemple, sur les valets de comédie. Hein, donc déjà, des compositions, il ne s'agit pas de retransmettre telle ou telle pièce, il s'agit de réfléchir sur un thème qui serait un thème théâtral. Et puis, il est accueilli par le Centre du Visuel de Saint-Cloud, qui est un des centres pionniers pour la réflexion sur le du visuel d'un point de vue pédagogique, donc entre 65 et 67. Donc il arrive au service de la recherche, aux alentours de mai 67, j'ai une archive qui dit « je suis là depuis 2 mois et demi ». Et il va donc, en quelque sorte, prolonger cette pédagogie active du regard, d'abord dans des émissions sociologiques, et puis évidemment, il a cette chance de lancer œil pour œil, puis tac au tac, et on va retrouver chez lui ce geste du pédagogue fondé sur le regard. « Regardez bien », ce sera l'ouverture que tu nous montrais, Bertrand, tout à l'heure, « regardez bien ce qui se passe ». Et puis prenez l'image pour elle-même, hein, on y reviendra. C'est aussi, comme le dit Frappa dans différents témoignages, regarder jouer, c'est-à-dire, comme je le cite, l'envie de voir des gens faire quelque chose, y compris les réalisateurs. Hein, ce n'est pas uniquement les dessinateurs, c'est le processus même de l'émission elle-même qui l'intéresse. La question se pose évidemment, si on va faire un portrait du dessinateur en artiste, donc ça c'est intéressant parce que dans notre expo photo, il y a quelque chose comme ça, ou est-ce que le dessinateur est aussi un comédien, hein? Donc là, on voit bien cette tension dans Tac au Tac et dans Œil pour œil. Et puis, en quelque sorte, la manière de résoudre le problème, de combiner dramaturgie et artiste, c'est de parler de comédia dell'arte graphica, où on va avoir une dramaturgie de la création, comme on l'a déjà dans les grandes répétitions avec la musique. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est cet effet de signature. Tout à l'heure, Bertrand m'a sauvé en s'appuyant sur les signatures du dessin. Elles sont très frappantes. On l'a montré lundi soir à Beaubourg.
Il s'agit de mettre en valeur des auteurs, hein, des dessinateurs, et pas simplement la bande dessinée elle-même comme consommation ou comme galerie de personnages. Hein, et donc, ce qui me paraît intéressant dans cette approximation progressive, cette mise au point progressive du dispositif, c'est rite, maîtrise, civiliser aussi la joute, il ne s'agit pas de se taper dessus, par l'humour, par la distance, et apprendre par le regard et par le jeu, notamment le jeu des regards. Alors, c'est comme si le modèle de la répartie était passé dans l'image. Hein, répartie, conversation, enjouée. Croiser le fer, croiser le tac, hein, c'est ce bruit que fait le fer quand il se croise, mais sans violence, donc, puisqu'il s'agit de rester dans un jeu conversationnel de bon aloi, maintenir une relation, respecter l'adversaire, voire se servir du jeu pour désamorcer une violence possible. On se sert du dessin de l'adversaire pour le détourner, pour le renverser, pour le prolonger, pour pousser le bouchon plus loin. Et à mon avis, ce transfert hein, de la répartie au dessin favorise le fait qu'on va moins parler, qu'on va finalement enlever le « dû », justement. On n'a pas besoin du « dû », on n'a pas besoin de l'expression. Il suffit de regarder en quelque sorte le « tac » puis le « tac ». Hein. Donc cette expression est déverbalisée, si je puis dire. On garde que les deux coups, sans autre commentaire extérieur. Hein, et ça sera, à mon avis, un modèle pour le travail d'ellipse que va faire Frappa. D'ailleurs, dans le générique de 1975 puis de 2018, on n'aura plus que les deux mots, tac, o, enfin, ou les trois si vous voulez, mais les deux mots mis en valeur, mis en jeu, qui sont tac et tac. Il s'agit de soulever, de montrer l'implicite, hein, et ça c'est dans l'art de la répartie, hein, montrer l'implicite de ce que veut dire l'autre, hein, et le renverser. Et ce qui est évidemment comme point commun, c'est le trait d'humour, comme on dit. Quand même une expression assez frappante, c'est que c'est le jaillissement, hein, qui est à la fois un jaillissement verbal et un jaillissement graphique. Le dessin d'humour est donc, comme on le disait tout à l'heure, le modèle des autres dessins. Ça me paraît assez frappant dans cette émission avec Bretéché, puisqu'elle évidemment, elle répond à cette sorte de formule un peu sexiste, un peu beaucoup sexiste, « Sois belle et tais-toi », en représentant donc une Joconde édentée. Donc évidemment, le jeu sur la parole et la bouche n'est pas du tout anodin, qui ne colle pas évidemment à l'image du modèle ou de la femme objet qu'on voudrait soumettre au regard du peintre homme. Hein, donc là, il y a quelque chose vraiment d'une répartie sans... même un dessin qui répond à une forme verbale, hein, donc ce qui me paraît très intéressant. Et puis, elle rejoue la chose en transformant le tac contre tac en tricot. Donc là, vraiment, c'est une sorte de véritable illustration de ce que veut faire Tac au Tac, hein, désamorcer la joute, puisqu'il s'agit de pacifier, finalement, les adversaires, se servir du cliché, hein, le renverser. Hein. Donc, on aurait quelque chose comme un dispositif fondé sur la répartie en dessin, un jeu sur la composition, où il s'agit de prendre possession de l'espace en dessinant, en reliant ou en déliant le dessin de l'autre, pour articuler son trait à celui de l'autre et le conduire vers un autre dessin. Donc, poursuivre la conversation. Deuxième élément qui me paraît très intéressant dans Tac au Tac, dans cet esprit justement d'expérimentation et de recherche, c'est simplement qu'il faut apprendre à voir, et donc il faut décomposer le dessin. Hein. Bien sûr, c'est la mise en gloire du dessin, mais c'est aussi apprendre à le déconstruire, à le déchiffrer. Hein. Il me semble que ce n'est pas anodin, évidemment, que Frappa reprend le générique de Duchamp, Anémique Cinéma, en 26. Donc c'est un jeu, alors vous connaissez la distinction en anglais entre game et play, un jeu, donc un game, paradoxalement fondé sur le pur jeu, c'est-à-dire le play. Ce sont des adversaires, mais ce ne sont pas vraiment des candidats, le meneur de jeu est absent, ou presque, d'ailleurs il lance le jeu et il disparaît, mais il reste présent à l'oreille, si je puis dire, mais de façon très pointillée. Le jeu, si on le rapproche des autres jeux télé, est assez proche, mais très vaguement, des jeux physiques, où il s'agit de vitesse d'exécution, ou éventuellement d'un concours, mais est-ce qu'il y a-t-il vraiment un meilleur dessinateur que les autres? Ça reste vraiment en suspens. Donc il y a quelque chose comme une sorte d'empreinte de format de jeu, mais on y croit à moitié. La confrontation, au contraire, devient elle-même un jeu du voir, un jeu pour voir, et d'une certaine manière, on est déjà dans une sorte de second niveau du jeu, c'est pour du jeu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un a gagné, et Frappa va beaucoup jouer avec cette dimension-là. Donc il s'agit finalement de partir d'un jeu télévisé, c'est comme ça que c'est
catégorisé et même, j'allais dire, vendu à l'ORTF comme un jeu télévisé. Mais à mon avis, c'est déjà du jeu au second degré, c'est déjà un jeu sur un déboîtement par rapport au jeu télévisé ordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est la façon justement dont ce jeu va combiner différentes dimensions du jeu selon Kaiwa. Donc ne pas s'inscrire clairement dans un type de jeu, mais essayer de prendre dans les différents aspects du jeu des dimensions qui vont nourrir son projet. Donc peut-être quand même une base qui serait l'agone, comme dit Kaiwa, c'est-à-dire un type de jeu lié à l'affrontement, voilà, même si c'est un affrontement au second degré. Il y a beaucoup évidemment d'improvisation, de jeux libres, hein, donc c'est cette Paideia qui identifie Kaiwa. Et puis c'est filmé, c'est pour des spectateurs, et ça, ça sera très présent évidemment. Donc il y a un peu de mimicry, c'est-à-dire de représentation, de spectacle du jeu, tu le disais Bertrand tout à l'heure, qui suppose une participation empathique, une projection dans le jeu, etc. Donc c'est un jeu télévisé très paradoxal qui mélange ces différents éléments sans vraiment choisir ou en les articulant d'une façon spécifique, mais sans parole. Hein. Il n'y a pas un quiz, il n'y a pas des réponses du candidat, ou alors ça serait en quelque sorte déplacé dans le dessin. Comme le dit Frappa dans le bouquin, une troupe ne jouant jamais le même spectacle, un pari, 13 minutes sans parole dans une soirée télévisée. Donc il est parfaitement conscient du caractère absolument inédit, paradoxal d'un jeu télévisé qui n'en est pas un. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous savez que Kaiwa oppose Paideia et... Paideia et Ludus. Le Ludus, c'est justement le game, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire un jeu avec des règles. Et ce qui me paraît intéressant dans Tac au Tac, c'est que les règles changent tout le temps. Voilà. Et donc, ça me paraît aussi une sorte de jeu sur le jeu télévisé qui permet à la fois d'en faire un sans en faire un. Une variété de règles du jeu pour démultiplier le plaisir, justement, de la Paideia et de la mimicry pour les spectateurs. Donc un jeu que j'ai envie d'appeler télévisuel, utilisant les ressources audiovisuelles, plus que télévisé, si on entend par là, son accrochage au genre du jeu télévisé. Alors ce qui me paraît intéressant, c'est que j'ai trouvé dans les archives du service de la recherche la présence d'un jeu, ou d'un film qui s'appelle Le Jeu, Igra, en serbo-croate, acheté par le service de la recherche, donc comme quoi quelque chose l'intéressait dans ce film, catalogué dans la catégorie Enfance et psychologie, et diffusé dans Bande Essai, une émission expérimentale. Donc là encore, on retrouve la combinatoire très particulière de ce qui intéresse le service de la recherche avant que Frappa n'arrive. Ce qui me paraît intéressant, c'est que on va reprendre cette thématique de l'affrontement, hein, d'un jeu qui tourne mal, mais on va essayer de canaliser, on va essayer de polisser en quelque sorte dans Tac au Tac. Hein. Mais on pourrait dire que sous l'innocence du jeu, il y a bien la guerre. Hein. Mais inversement, d'un point de vue critique, ça peut servir à montrer que la guerre froide, tellement présente à l'époque, n'est qu'un enfantillage. Je vous montre donc un tout petit bout du jeu. Je ne vais pas avoir le temps. Non, Alors que j'en suis qu'à la moitié. Bon, je ne commente pas, mais vous voyez bien comment le dessin sert à déjouer, rejouer l'affrontement. Donc il y a une émission qui me paraît très intéressante de ce point de vue-là, c'est le duel entre Piem et Ciné. J'avais envie de faire un jeu de mots en disant la lutte continue par l'image, mais c'est aussi l'imagination au pouvoir et un jeu sur des images du pouvoir, puisque le motif imposé, c'est le buste de Marianne. Et Ciné va dessiner quelque chose comme une sorte de personnage à képi que tout le monde reconnaît. Donc là, on a une sorte de dispositif de face-à-face hein, qui reprend une sorte de jeu sur le débat télévisé de l'époque, hein, à armes égales, face-à-face, avec aussi une petite place de la parole hein, où chacun des dessinateurs dit « moi, je vais faire ça ». Et donc, il y a une sorte de défi. Et puis, c'est presque comme si Frappa avait passé le relais aux dessinateurs eux-mêmes pour qu'ils lancent le jeu. Le spectateur est une place intéressante puisqu'il peut voir, lui, les dessins, contrairement aux deux dessinateurs qui s'opposent. Mais on pourrait dire que c'est sans violence. Hein, il s'agit de civiliser aussi la tension entre Le Figaro et comment s'appelle le journal de Ciné, Ciné-Massacre. Voilà. Puisqu'on va, en quelque sorte, leur suggérer de faire un dessin et pas la guerre. Ça ne nie pas l'opposition, mais ça évite la prise de parti et ça focalise évidemment l'intérêt sur le dessin. Il s'agit aussi de jouer à la télévision.
Je m'arrête là, je développerai dans le texte, j'espère qu'on fera à l'issue de ce colloque. Merci.